Bonjour et bienvenue sur Optrad Archerie, c'est Robin Gardeur. Et comme vous pouvez le voir aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, mais j'ai donc des stagiaires avec moi que je vais vous présenter de suite. Et ils vont vous parler des stages Optrad Archerie, ils vont partager leur vision du tir à l'arc, partager leur courte expérience du tir à l'arc et voir pourquoi ils m'ont contacté et qu'est-ce qu'ils apprennent donc avec les formations Optrad Archerie. Donc Pierre-Alexandre et Maïli. Donc je ne me suis pas trompé sur le nom cette fois. J'ai bugué sur Pierre-Alexandre, pourtant je pensais que ça allait passer sans problème. Mais c'est pas grave, de toute façon on est tranquille et on va un petit peu parler de ça. Bon, qui c'est qui veut commencer en premier alors du coup? Bon, je sens que ça va être Pierre-Alexandre. Bon du coup, présente-toi. Qu'est-ce que tu fais? Quel âge tu as? D'où tu viens? Dis-nous un petit peu tout ça. Eh bien, je m'appelle Pierre-Alexandre, j'ai 26 ans, je travaille dans l'immobilier et j'habite pas loin, j'habite à Revel, c'est à une petite demi-heure de Groyer et d'ici. Voilà. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Bah, du tir à l'arc, on est là pour ça. Voilà, et après j'ai 2-3 autres passions, la musculation et. Je pense que ça peut pas tout. Ah. Oui, très bien, très bien. Et après, donc. Parle-nous un petit peu plus de toi, voilà. Dans quoi tu travailles, quel est ta, voilà, de quel milieu tu viens. Dis-nous un petit peu tout ça, c'est important pour que les gens puissent se situer, voilà, un peu, okay. Voir. Ça peut aider des gens qui ne sont pas dans le même cas que toi, qui vont te dire « ça peut être un sport intéressant pour moi voilà. ». Bah, à la base, je viens donc du secteur, je suis né à Castres. Mon père et ma mère ont toujours travaillé dans l'immobilier, la construction, la vente de maisons, l'investissement. Au début j'étais pas parti là-dedans, j'étais parti plutôt axé militaire, sport, combat, musculation, et avec le temps bah voilà, je suis tombé là-dedans, j'étais apparemment prédestiné à arriver là-dedans, et bah, j'ai voulu me mettre au tir à l'arc. Pourquoi? Parce que l'arc m'a toujours passionné, j'ai toujours aimé ça, et c'est un sport qui nécessite beaucoup de concentration et de se poser. Et c'est ce dont j'avais besoin. D'accord. Voilà, donc. Et du coup, tu es venu donc au tir à l'arc comment? Comment aussi tu es venu à découvrir la chaîne Optrad Archerie, tout ça, voilà. Comment tu es arrivé à voilà, parce que ça fait, tu m'as dit, 2 mois et demi maintenant que tu tires à l'arc. Tout à fait. Donc ça fait presque 2 mois que je vous suis. Oui, en coaching, voilà. C'est ça, ouais. Donc voilà, ça fait 2 mois et demi que vous pratiquez le tir à l'arc au club de Castelnaudary. Tout à fait, voilà. C'est ça, on est au club de Castel, inscrit. Alors comment on s'y est mis à la base? Donc Maïli, ma compagne, elle a fait du tir à l'arc quand elle était jeune et elle voulait pour son anniversaire, enfin, elle voulait s'y remettre. Et moi je me suis dit, pour son anniversaire, eh bien, on va ensemble découvrir le tir à l'arc et refaire du tir à l'arc en club. Donc on s'est lancé là-dedans, on s'est inscrit au club de Castel. Et après avoir fait 2-3 séances, on a bien aimé, on s'était acheté des arcs d'entrée de gamme pour découvrir tranquillement. Et on s'est dit, bah, pourquoi pas contacter, essayer déjà d'apprendre sur les vidéos. Donc on a regardé des vidéos françaises, on est tombé sur Robin, sur également d'autres amis de Robin. Et quand j'ai appris qu'il était sur Groyer juste à côté, je me suis dit, eh ben, on tente, on appelle. Donc je lui ai envoyé un message, il m'a dit qu'il était dispo de suite, on s'est appelé. Voilà, personne super agréable, très ouverte, donc direct à l'écoute et très réactive. Donc bah, au final, ça s'est vite enchaîné, on s'est vite rencontrés et il nous a super bien conseillé. Il nous a conseillé ce qui était très adapté à notre niveau et à nous débutants. Il n'a pas cherché à survendre quoi que ce soit. Et voilà, super, voilà, super, très à l'écoute et très agréable comme personne. C'est pour ça qu'on est là d'ailleurs. C'est gentil. Bon, ben du coup, Maïli, parle-nous un petit peu plus de toi, donc d'où tu viens aussi. Comment tu as découvert donc le tir à l'arc apparemment dans ta jeunesse, ce que je ne savais pas. Ah oui. Et voilà, parle-nous un petit peu de tout ça, de ton vécu. D'origine, si j'ai bien compris, ben, tu n'es pas français, enfin tu n'es pas du continent. Ouais, je ne suis pas du continent. Voilà, donc ça va être intéressant d'avoir cette vision-là justement. Oui. Je t'écoute. Et tout le monde t'écoute. Donc moi je suis Maïli, j'ai 22 ans, je viens de la Guadeloupe, donc une petite île dans les Antilles françaises. J'ai grandi dans la forêt, un cadre très naturel, et parmi tous mes loisirs de nature, j'ai eu la chance d'avoir un arc pour Noël ou un anniversaire, je ne m'en souviens plus vraiment. Et voilà, je m'amusais avec mon petit arc dans mon jardin, ma petite cible. Après, on voyage, les premiers boulots, tout ça, donc
on abandonne un peu les petites activités d'enfant. Et puis on en a reparlé et au final on s'y est mis, on s'est rendu compte que... T'as croisé un autre enfant. C'est ça. Et on a, enfin voilà, j'ai repris où je m'en étais arrêtée avec cette fois-ci le luxe de pouvoir rentrer en club et de pouvoir avoir des cours, une vraie formation, un vrai suivi. Parce que voilà, quand on est enfant, c'est un peu court. Et après, on s'y est mis. Bon, et du coup, dans le tir à l'arc, qu'est-ce qui vous plaît concrètement? C'est quoi? C'est plus l'objet, les sensations, le vol de flèche, le fait de juste toucher une cible avec lanceur de projectiles. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette démarche de tirer à l'arc? Alors. Mais c'est une question pour les deux. Pour ma part, ça va être l'objet. L'objet, tout ce qui tourne autour, là, c'est cette culture de l'arc, d'avant, le côté traditionnel en fait de l'objet. Et après, toute cette concentration en fait. D'accord. La concentration que ça amène, la maîtrise de son. On va dire le côté méditatif quelque part. C'est ça. Pour moi, ça va être similaire, ça va être le côté traditionnel. Ouais. Qui, c'est revenir un peu aux sources, avec des armes plus de l'époque, des armes simples. Mmh. Parce que les armes à feu, c'est quand même très gadget, même si c'est, ça reste très sympathique, c'est quand même plus gadget, moins naturel. Il y a aussi le côté, on va dire, réussite, réussir à toucher sa cible, vraiment perfectionner, toujours travailler, et le côté calme, posé, travailler sur soi. Parce que c'est quand même beaucoup un travail sur soi-même avant toute chose, donc c'est ça qui est très intéressant dans le tir à l'arc aussi. Et les magnifiques rencontres, et là, le cadre dans lequel on évolue. Nous, on est quand même beaucoup plus en extérieur. Et la nature, en fait, aussi, parce que... Le côté naturel, le côté extérieur, et la mentalité, qui est sympa. Après, moi, je vous ai orienté, c'est vrai, sur le tir plutôt parcours, des arcs qui sont faits pour tirer sur parcours, plutôt de type instinctif. C'est vrai que tous les stages Europe Trad Archerie, il y a une partie théorique et une partie sur parcours pour valider un petit peu ce qu'on a vu le matin et avoir quelque chose de plus ludique, parce que sur une journée, ça peut être, si on fait que de la théorie, il y a un moment où ça fatigue, c'est lourd. Et là, vous avez pu le voir cet après-midi, qu'on a beaucoup tiré ce matin. Et l'après-midi, pour repartir, ça va être plus difficile. Voilà. Avec le soleil qui tape en plus. ça va, il fait pas trop trop chaud. Non, mais ça va aujourd'hui. C'est les facteurs qu'il faut gérer aussi. Ah, mais ça peut, c'est tout le temps présent. Et du coup, en septembre, dans quelle direction vous allez attaquer le tir à l'arc? Quels sont vos projets? Maintenant que vous avez un petit peu mis le pied dedans, vous avez commencé à rencontrer des gens, à tirer des flèches, quels sont les projets pour l'avenir dans le tir à l'arc? Si c'est plus découvrir d'autres armes, ou si ça va être plus se mettre sur la compétition, faire d'autres rencontres, aller voir d'autres archers, qu'est-ce que c'est qui va vous motiver maintenant à avancer dans cette expérience? Pour ma part, ça va être vraiment la compète. J'aime toujours me dépasser, le dépassement de soi, et aller toujours aller plus loin dans le résultat. Après, continuer à rencontrer de belles personnes, et découvrir aussi tous les autres domaines, parce que je pense qu'il faut tout connaître et tout toucher dans le tir à l'arc pour avoir une expérience complète. Et après, la compétition, et toujours garder ce plaisir de tirer, la satisfaction de bien décocher, d'avoir un beau vol de flèche, et la satisfaction de tirer à l'arc, c'est quand même. Pour ma part, ça sera la recherche de la précision toujours, même si en chasse, en instinctif, d'autres diront que peut-être pas possible ou qu'on atteindra un moins bon. Alors il y a toujours, c'est vrai, dans les clubs, malheureusement, le tir instinctif, qui est du tir, on va dire instinctif ou faire simple, je ne vais pas rentrer dans mes débats, a toujours mauvaise presse. Dans le sens où on n'a pas de viseur, on n'a pas de cliqueur, on n'a pas de décocheur. C'est un tir à l'arc qui des fois paraît trop simple, et malheureusement beaucoup de clubs n'ont pas la formation nécessaire pour donner les bons conseils au bon moment aux gens qui veulent débuter ce tir là. Moi j'essaye d'être là pour ces gens là
via la chaîne YouTube et via donc les stages que j'organise. Mais c'est vrai que pour, on va dire, le monde du tir à l'arc, très souvent, mais quand on parle de tir à l'arme traditionnelle, que ce soit le longbow ou l'arc chasse, qu'il soit moderne ou moins moderne, hein, on est toujours un petit peu pris pour des chasseurs-cueilleurs, pour des poètes, pas vraiment pour des sportifs et des archers. Après, voilà, une fois que certaines personnes côtoient un petit peu plus de bons archers traditionnels, ils commencent à savoir qu'on est quand même des archers et qu'on est capable de faire des bonnes flèches. Donc il ne faut pas s'arrêter à cette, comment dire, à ce petit truc de je suis moins précis, je peux pas, je peux si. Moi, quand je vois un arc à poulie qui tire bien à 45 mètres, j'ai qu'une envie, c'est arriver avec mon longbow et oh, moi aussi je peux le faire. Ouais, voilà. C'est ça. Et voilà, sur des coups d'esbrouf, je suis capable de même des fois mieux tirer qu'eux. Mais bon, ça arrive sur une flèche, faut pas non plus trop blaguer. Donc voilà, après je sais pas si vous avez quelque chose que vous vouliez dire de plus. Déjà, vous avez été à l'aise, c'est bien. Oui. Pas trop stressé. Tu mets plutôt à l'aise en plus comme ça. Donc voilà, de toute façon c'est toujours bonne franquette, il n'y a pas de problème. Écoutez, j'espère que dans tous les cas c'est une expérience qui vous plaît, que vous avez envie de continuer ce sport-là, envie de découvrir plus. Vous avez commencé malheureusement ce sport dans la pire période de l'histoire pour le commencer, donc pleine période Covid, avec des restrictions dans tous les sens, pas de compétition, les clubs qui ferment, les coachs qui n'ont pas le droit de donner de cours, enfin voilà, tout ce qui va bien. Là maintenant, mais voilà, les choses vont réouvrir. On s'est tous fait vacciner, on est tous dans une démarche pour retrouver une vie normale. Et vous allez pouvoir maintenant vraiment profiter du tir à l'arc et prendre du plaisir à faire ce sport. Bah écoutez, merci à vous deux pour avoir fait ce petit témoignage sur les stages Rob-Trad d'archerie et sur votre expérience du tir à l'arc. Moi, je vais vous dire à très vite, mais surtout les prochaines vidéos que vous allez voir, je risque d'être au championnat d'Europe. Donc bien sûr, vous aurez les vidéos après le championnat d'Europe, parce que ça va être compliqué de tout monter sur place et de vous envoyer les vidéos le jour même. Je ne suis pas sûr d'avoir la bonne connexion internet. Mais en tout cas, restez connectés, restez sur Rob-Trad d'archerie, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, envoyez du courage aux deux petits nouveaux, parce que je pense que vous allez vite entendre parler d'eux, parce qu'il y a du talent, il y a vraiment du talent, et des gens très très motivés. Et pour tous les gens qui commencent le tir à l'arc et qui ont peur d'aller chercher des conseils, qui ont peur d'aller voir des gens comme moi pour demander des conseils, je ne suis pas le seul. Vous avez pour les arcs à poulies Ava Archerie avec Arnaud Lasperche qui est un excellent coach. Vous avez DJ Archerie pour les Berbots avec David Jackson qui est vraiment très très bon. Et vous allez avoir très bientôt, mais sur la forme de podcast, donc Daniel Ramos qui va faire des podcasts aussi, qui est aussi coach en archerie et qui est très très bon pour toutes les personnes qui veulent s'initier au tir à l'arc et débuter le tir à l'arc. Donc bien sûr, restez connectés, suivez tout ça et on se retrouve très vite sur Rob-Trad d'archerie. Bye.